Bienvenue à vous, amis humains, dans votre vidéo hebdomadaire présentée par Teyarob. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter le Hercule Starlifter C2 de Crusader Industries. On va faire comme avec tous les autres vaisseaux. Je vais vous présenter l'intérieur. J'essaierai aussi de vous faire le Hercule M2 et le Hercule A2. Mais ça sera dans une prochaine vidéo. Si vous voulez pas les louper, abonnez-vous. Donc, comme à l'accoutumée, on va commencer par le poste de pilotage qui est vraiment très grand. D'ailleurs, je fais la visite en même temps avec vous parce que même moi, je ne l'ai pas encore visité entièrement. D'ailleurs, j'espère que je ne vais pas oublier d'endroit. Si j'oublie une zone, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le Mercury Star Runner, qui est le même fabricant Crusader Industries, mais il a le même niveau de finition, ce qui veut dire qu'en gros, il est extrêmement bien fini par les devs. Il y a tout qui fonctionne et tout. Je trouve que sur les Crusaders, ils ont apporté un travail vraiment exceptionnel. Après, les technologies ont évolué vu que lui, c'est le dernier vaisseau sorti. Bien sûr que du coup, pour eux, c'est plus simple. Ça, je sais pas à quoi ça mène. Je pense que c'est des escape pods. Donc, il y a 4 escape pods. Ici, c'est quoi ? Ah, ici c'est pour ranger ses armes, pareil de l'autre côté. Donc déjà, le Hercule Starlifter C2, qu'est-ce que c'est? C'est la variante civile de la gamme Hercule, une série de vaisseaux conçus pour les opérations de débarquement. Ce qui veut dire en gros que c'est un vaisseau qui peut transporter des véhicules. C'est un transporteur lourd pour déplacer des véhicules terrestres. L'accès aux composants est très simple, mais c'est des composants colossaux. Ils sont vraiment énormes. Donc il peut transporter 2 chars Nova Tank. Et je sais pas si vous avez vu à quel point les Nova Tank sont gigantesques. Encore une fois, ils sont vraiment très grands. Aucun autre vaisseau peut les porter à part celui-là. Il possède 2 rampes d'accès, une à l'avant, une à l'arrière. Putain, vraiment, il y a plein de compartiments et tout. C'est vachement bien fait. Bah putain, je comprends que ça leur ait pris un peu plus de temps parce que vraiment... Il y a du taf. Dites-moi si vous aimez bien ce vaisseau en commentaire, je suis plutôt curieux de savoir. Moi, ça fait longtemps que je l'attends. Du coup, je suis très content qu'il soit là. Ici, c'est l'ascenseur pour sortir. Alors, il a 2 canons à l'avant aussi. Et il a 2 tourelles. Par contre, c'est pas un vaisseau militaire. Vu que lui, c'est la version civile. Il est peu armé. Vraiment très peu armé, mais il est plutôt bien protégé. Même s'il n'est pas beaucoup blindé, il est plutôt bien protégé grâce à 2 boucliers de taille 3. Donc au niveau offensif, il est pas ouf, mais niveau défensif, il est plutôt bon. En même temps, si vous voulez combattre avec un Hercule, il y a soit le M2, soit le A2. Le M2, c'est un transport de véhicule militaire, donc en devenant militaire, en gros, il perd une partie de sa soute, puisque celui-ci, le C2, il a 624 SCU en soute, ce qui veut dire qu'il peut porter 2 fois plus de cargo qu'un Hull B. Donc vraiment, c'est quand même plutôt correct, même vraiment beaucoup. Alors que le M2, la version militaire, elle n'a que 468 SCU de cargo. Donc ça lui fait perdre quand même pas mal. Mais après, ça devient un vaisseau bien plus blindé et bien mieux armé. Ensuite, il y a le véhicule, le Hercule A2, qui lui est un bombardier. Et encore une fois, la soute en pâtit, puisqu'il passe à 234 SCU. Donc pour... récapituler, celui-ci, donc la version civile, est à 624 SCU, la version militaire de transport est à 468 SCU, et la version bombardier, elle, à 234 SCU. Je préfère récapituler parce que on sait jamais, comme ça au moins vous avez toutes les infos. En tout cas, il règne une ambiance dans ce vaisseau qui est vraiment cool, même si c'est pas au niveau des ambiances des Drake.
Parce que dans les vaisseaux de Drake, il y a une ambiance que moi j'adore. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une voiture télécommandée ou c'est un sac à dos? Oh cool, c'est un mini Ursa. Mais c'est un sac à dos, c'est un sac à dos Ursa, trop cool. Donc là c'est les habitations, et vu que en temps normal il est censé avoir que deux membres d'équipage, il n'y a que deux lits. Mes premières impressions lorsque je l'ai vu tout à l'heure dans le hangar, c'est qu'il est bien plus gros que ce qu'on peut croire, et beaucoup plus lisse. Ça on verra tout à l'heure quand je le piloterai, je vous montrerai. Donc là c'est l'échelle pour aller jusqu'à la soute. Et voilà la soute. Elle est vraiment très très grande. Vraiment c'est la taille d'un stade de foot. Non peut-être pas, mais au moins un stade de tennis. Je mets mon perso à côté pour que vous voyez à quel point c'est gigantesque. Ça c'est la rampe avant. Et ça c'est la rampe arrière. Son prix, moi je l'ai eu à 430€, mais je crois qu'il va être un tout petit peu plus cher. Donc je veux pas trop vous induire en erreur, mais en tout cas moi je vous dis, je l'ai eu à 430€ il y a à peu près 3 mois de ça je pense. Vraiment voilà, vu la taille des soutes, on peut rentrer absolument tous les véhicules roulants qui sont disponibles pour l'instant. De toute façon le Nova Tank est le plus gros des véhicules roulants. Donc si lui il peut rentrer, bien sûr à part si à l'avenir d'autres véhicules plus gros doivent sortir, si lui il peut rentrer, ça veut dire qu'il peut tout transporter. Tout à l'heure j'ai même essayé de rentrer des vaisseaux, et on peut en mettre quelques-uns. J'ai rentré le Merlin, le Argo aussi, vous savez le petit véhicule orange. Et juste que c'est pas fait pour, hein, mais ça fonctionne. Par contre, je vais quand même le préciser, même si je pense que vous le savez déjà, celui-ci ne comporte pas de cargo secret, comme le MSR, le Mercury Star Runner. On va ouvrir la rampe vite fait. Oula! Juste pour vous montrer. En vrai, c'est hyper impressionnant, je trouve. Je sais pas si vous connaissez l'avion, le Antonov AN-222. C'est un avion qui peut transporter un autre avion même, qui peut transporter vraiment beaucoup de choses. Et il s'ouvre aussi pareil de l'avant. En fait son nez il se lève et on peut rentrer depuis l'avant. Bah là ça me fait un peu penser à ça. Que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'un des derniers vaisseaux. Du coup il a les dernières technologies. Et qui dit dernières technologies veut dire aussi qu'il a les lumières qui peuvent s'allumer ou s'éteindre. Les lumières du vaisseau, hein, les lumières à l'intérieur. Qui est plutôt immersif je trouve. Le fait de pouvoir contrôler les lumières. On peut mettre les lumières en tamisé, ça c'est ouf, en demi-tamisé ou totalement allumé. Et lorsque le véhicule est sur le point d'exploser, les lumières deviennent rouges, ça prévient tout l'équipage, ce qui est bien vu. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'intérieur. Ouais, il y a une sacrée lumière là-bas. C'est le générateur ça, mais en même temps il faut mieux un gros générateur pour arriver à soulever du sol un véhicule pareil. Donc voilà, moi en vrai je suis vraiment fan. Ça fait vraiment longtemps que je l'attends et je suis pas déçu. La vitesse maximale est de 962 mètres par seconde, comme vous voyez. Petit truc que je viens de voir. Le chauffeur, le pilote, peut tirer. Mais regardez, en haut à gauche, il y a des munitions. Ce qui fait que le pilote peut tirer, mais avec des balles limitées. Regardez la taille de la rampe. Elle est énorme. Je vais essayer de tirer pour voir d'où c'est que ça sort. Ah ouais. Et pourtant comme ça, ça a l'air puissant. Hein. C'est vrai que je vous ai dit tout à l'heure qu'il était pas très bon offensivement parlant. Mais j'ai jamais fait de combat avec. Donc ce serait peut-être quelque chose à essayer. Mais en tout cas, de ce que j'ai lu à son sujet, il est vraiment pas fait pour l'ordi développement. Ça a vraiment pas été leur point fort, le fait que ce soit un bon combattant. Vu que justement, il réserve ça pour les deux autres. Donc comme vous voyez, il ne possède aucun missile. Encore une fois, ça se retrouve sur le M2 et sur le A2, et non sur le C2, celui que je teste aujourd'hui. Je sais que son design divise pas mal, moi je l'aime bien. Il est peut-être un peu trop lisse, mais en vrai moi je l'aime bien. Vu de l'arrière, c'est vrai que c'est pas le plus beau des vaisseaux du monde, mais sa capacité de cargo en vrai en fait pour moi le plus beau vaisseau du monde, le meilleur quoi. Je vais rentrer les ailes pour vous montrer comment c'est une fois les ailes rentrées. Hop. Je vais sortir le train.
trouve que le train, il a une très belle animation. Vraiment, je trouve que les devs de Star Citizen ces derniers temps, ils envoient vraiment du lourd. Hein. Ils sont très très bons. Même si, comme d'habitude, ça prend du temps, ce qui est plutôt normal. Mais je les trouve vraiment très bons. Tout ce qu'ils nous sortent à chaque fois, c'est vraiment très bien. Donc, au niveau de ses dimensions, maintenant, en longueur, il fait 94 mètres. En largeur, 70 mètres. Et en hauteur, 23 mètres. Ce qui veut dire qu'il fait partie de la classe Medium. C'est ni un capital ship, ni un petit vaisseau. Là, je vous donne les dernières infos que j'ai, même si je sais que beaucoup d'entre vous s'en foutent un peu. Au niveau du radar, il a une fois de taille S2. Au niveau du computer, donc du PC, il en a un de taille S2. Le power plant, c'est-à-dire le générateur, il en a un de taille S3. Le refroidisseur, il en a deux de taille S3. Et les boucliers, il en a deux de taille S4. Ce qui veut dire que, en termes de bouclier, il est vraiment, vraiment bien protégé. Mais il n'est pas beaucoup blindé. Donc ça équivaut à un vaisseau pas non plus extrêmement résistant. Voilà, je pense vous avoir tout dit à propos de ce véhicule, de la visite. La visite a plutôt été rapide hein, parce que la soute prend quand même toute la place. En même temps, c'est ce qui est conseillé si on veut transporter le plus de choses possible. J'aurais bien aimé sortir un Nova Tank pour le faire transporter, mais j'en ai pas. Et de toute façon, vous inquiétez pas, la vidéo sur le Nova Tank arrive dans pas longtemps. Je vais ouvrir la soute. Je trouve l'animation des soutes tellement classe. Là, vous avez vu, j'ai ouvert les deux. Ce qui fait qu'il y aurait quasiment un vaisseau qui pourrait voler à travers. Avouez que ça tue quand même. C'est vraiment un sacré vaisseau. Là, c'est du vaisseau porn. Hein. Putain, en vrai. Je sais pas s'il y a que moi que ça fait kiffer de regarder un vaisseau comme ça. Mais dans la vraie vie, je suis ingénieur, donc c'est pour ça que j'aime bien voir tous les petits détails. Et en vrai, on se rend pas compte à quel point les devs, ils ont dû passer du temps, ils ont dû galérer. Avec le nombre d'animations qu'il y a sur ce vaisseau. Ah, j'avais pas vu qu'il avait un train d'atterrissage au milieu. Il fait un sacré bruit, ça se voit que c'est un gros truc. Hein. Bon bah voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Et bien entendu, rappelez-vous que nous sommes Internet. Désactivation.